J'arrive. Tiens, frérot, fais ça, dépêche-toi. Dépêche ta grand-mère, là. Mais c'est quoi? Et frérot, c'est le propriétaire qui vient nous voir et je te rappelle qu'on s'est fait passer pour un couple pour avoir l'appart. Pour un couple? Pour un couple, putain, t'as pas de taf, tu réfléchis jamais, ça. Mais tu de ma gueule? Mais c'est quoi ça, mais t'es de moi? Eh, avec toi, c'est toujours des ampoules, là. Tu caches tes couilles, là. T'es de moi, là. Frère! Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors, faites comme chez vous, hein, bien sûr, en même temps. C'est un petit peu chez vous, vu que c'est votre appartement. C'est vrai. Vous connaissez les lieux? Tu peux pas visiter? Non. Je vous présente mon petit Vinou, dont je vous ai parlé. Je vous sers un petit quelque chose, un petit smoothie, lait, carottes, gingembre, tout frais de ce matin, avec un petit peu de piment d'Espelette, ça c'est my final touch perso. Ça relève le tout et ça assure un transit impeccable. Et je peux vous dire que c'est pas mon petit Vinou qui va se plaindre de mon transit impeccable. Hein, pour lui, c'est l'aquaboulevard, il adore les toboggans. Et par ici, et par là, la tête la première, il se mouille même pas la nuque. Tous sous. Il est drôle, c'est pour ça que je l'aime. Un petit smoothie? Ah non, merci, non, juste un petit café, hein, ça sera pas long. Tu vas lui faire le café, s'il te plaît, mon poussin, voilà. Ah, c'est moi qui l'ai fait. Oui, tu vas le faire. Fais son café, okay. Putain. Excusez-moi, le café, ça sera avec ou sans sucre? Ah, sans, merci. Oh, pareil, hein, pour moi. Ouais. Okay. Hein, va lui faire le petit café. Fissa. Oh, tu vois quoi, là? Frère, c'est homophobe de ouf. Les gays, ils sont pas comme ça, là, on va se la craver, la putain. Je vais pas te mentir, tu m'excites un peu quand t'es énervé. Ah, tu te fous de ma gueule. C'est quoi, je suis une grande dinde si je dis pas la vérité? Je suis pas taré. Excusez-moi, oui. Par rapport au bail, le fait qu'on soit en couple, tout ça, c'est pas trop gênant. Oui, des méthodes voilà. Gigantes. C'est... Ouais, c'est là. C'est qui, ouais? Oui, c'est mon plan cul, frère. On a qu'une toute la nuit, j'ai un pantalon. Julie. Papa. Alors là. Salaud! Sous notre propre toit! Mais sérieusement, là, t'es en couple? Mais t'es qu'une merde, en fait! Tu m'avais dit que j'étais ton petit coulis de framboise et qu'on irait ensemble en Islande voir les aurores boréales! Espèce de connard! Ah, ça pique, hein? Bah, ça, c'est le piment d'Espelette, et figure-toi que c'est rien du tout par rapport à ce que je me sens à l'intérieur! Julie, attends-moi! Je suis désolé, monsieur, je pensais pas que je sortais avec une merde pareille, mais rassurez-vous, on va la sortir du bail, vu que cette merde va sortir de ma vie! Toi! Pas de soucis, mais qui dégage, lui, bien hein? Sûr, oui. Ah, mais dégage, bien hein? Sûr, ah, bon. Bien dur. Oh, on a failli se faire cramer, putain. Par contre, juste dans les prochains jours, quand tu vas sortir, pense à mettre genre une stache mou ou des faux sourcils ou une perruque, parce que je veux pas que s'ils croisent, ils pensent que je suis un mec faible avec ses ex. Frère!